Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'épisode 9 du retour de l'event de l'appel fatal, pardon, du dernier appel, non, rien à voir. Et donc on va aller retrouver Monsieur Sephiroth en personne. Donc on va progresser gentiment et puis on va mener à bien ce retour d'event tout simplement. セフィロス、約束の地に帰る。と言っていた。元いた世界に帰る方法を知ってるんじゃないか。もしこのパラミティアから抜け出す方法があるなら、俺も一応知りたいからな。急にこの世界から逃げ出す気？一応って言ってる。屁理屈で逃げるなっつうの。賑やかだな。迷惑か？そうは言っていない。 Plaque de matériel niveau 13, 5 matériaux de rempart, et ça fait pas mal de monde tout ça. Bah, et comme vous l'avez compris, la fin de la partie nivelée sera faite à la fin de l'event. Bon alors, c'est ce que j'ai décidé, donc voilà. Changement de niveau, pour accéder aux différents niveaux de la grotte du Nord, utilisez choisir destination dans le menu matériel. Il vous faudra posséder la clé des anciens correspondants. Bon, bah très bien.
Alors, un élixir. Une queue de phénix. Grotte du Nord, la clé des anciens. Une clé des anciens est nécessaire pour accéder aux niveaux inférieurs de la grotte du Nord. Commencez par trouver la clé, puis tentez de changer de niveau. Utilisez l'information de la carte et les noms des clés de la liste figurant dans la section Info Région du menu d'accueil. Ok, c'est un gros merdier, mais tout va bien.
Une queue de phénix à nouveau. Un éther. Et c'est fort sympathique déjà.
un peu d'éther, un élixir. Ça s'apprécie. Cinq matériaux de sommeil, une queue de phénix. Et on va continuer de descendre et à rencontrer ces adversaires si pénibles, les proto-soldats.
Alors, comme ça, Séphiros veut retourner dans sa terre promise. On sait de quoi il s'agit? Je n'en ai jamais entendu parler. Dites-le lui, et ajoutez que vous vous en moquez et qu'il devrait filer s'il y tient tellement. Séphiros ne mordra jamais à l'hameçon. On s'en moque, au moins vous lui aurez exprimé le fond de votre pensée. Et si c'était à vous deux que je voulais exprimer le fond de ma pensée? Allez-y, et je vous rendrai l'appareil. L'instinct de préservation ne vous étouffe pas vraiment, on dirait. On s'en fout. Là, on va choper une clé. Il m'ignorait de se protéger contre sa faiblesse, mais je n'ai pas sa faiblesse. Et pneuma de feu 4 étoiles, plus clé des anciens niveaux, moins 2 B. Ah pardon, et 2 éthers aussi avec. Et 2 cristaux. Pour accéder aux différents niveaux de la Grotte du Nord, je vous suggère de choisir destination d'un menu intérieur et il vous faudra posséder la clé des anciens correspondantes. Oui, je sais. Allez, on va faire du switch. Alors, il faut aller au moins deux, c'est ça? J'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est là-bas.
5 matériaux de vitesse, une queue de phénix, un sésame d'argent, un ticket de compétence. Deux cent mille élémentites de feu, et pas plus. Et donc Shiva qui nous attend. Ça va se passer tranquillement, comme toujours.
Donc, Pneumado, plaque de matériel niveau 14, la clé des anciennes 2C, 2 cristaux. Oui, je sais. Vive la redondance. Alors, récupérons un ticket de compétence, deux pièces de technique, deux étoiles. Ah, folichon, folichon. Folichon.
Alors, une queue de phénix. Rien de foufou. Cinq matériaux volés de coups, 5 matériaux d'or en part, 200 000 élémentites d'eau. Cinq matériaux de sommeil, une queue de phénix, un éther.
Bon, c'est quand même pas terrible, hein. Un mob par un mob. Ah, 3, c'est mieux quand même. Pneumadaire, 5 matériaux de vitesse, clé des anciens niveau 4, 2 cristaux. Oh ben, ça se passe juste à côté, c'est bien. Bon, on va juste s'y téléporter. Quoique. Vu que c'est une nouvelle clé qu'on récupère, autant profiter. Ah, on a le duo Shiva Ifrit. A priori. Ouais. Bon, par contre, on s'arrêtera sur ce duel-là. Voilà pourquoi s'embêter, hein. On le fait deux fois et puis c'est aussi rapide, hein. Voilà, comme ça on a le doublé, oui aussi. Bon, je vais passer par ça. Mieux de finir sur chez Ifrit plutôt que de commencer sur Ifrit. Pneuma de terre, clé des anciens niveau 3C, 2 cristaux. Allez, on va juste se TP. J'ai dit on va se TP. Bon. Vu qu'on y est, on va profiter. Hop là, voilà. Donc on a dit niveau 3.
Voilà, comme ça on se retrouve directement au bon endroit pour la suite. Et on va aller faire le petit tirage. Du coup, je n'ai pas eu à faire autant de tirages que ça. J'ai juste fait un tirage pour choper la dernière carte de Genova qui me manquait. Donc, nickel. On va partir maintenant donc sur un tirage de suprême. De toute façon, moi, je pars sur les suprêmes. Bon voilà, de toute façon ça c'était garanti une nouvelle carte de classe. Après est-ce qu'il va y avoir d'autres choses avec? C'est une bonne question. Eh ben non, rien de plus qu'une nouvelle classe. Et la classe de Maître Moine, d'accord. Maître Moine, très bien. Maître Moine, allez. Hop, montre-toi, Maître Moine. Elle est là, d'accord. Allez, hop. Donc, lumière, terre et ténèbres. Ombre, pardon. Bon, heureusement que j'ai plein de cristaux. Bon, c'est bien le seul truc sur lequel je ne roule pas du tout les cristaux, mais vu la fréquence d'obtention des classes, ça passe. Du coup, est-ce qu'il y aura une nouvelle carte de classe qui sortira d'ici la fin de ce retour d'event? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on récupère plein de belles choses. Ben, belles... Ça reste à prouver non plus aussi carrément, mais... Et ben voilà. Ça c'est fait. Et voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce retour d'event. À mon avis, il reste pas grand chose à faire. Donc les différentes clés à récupérer pour avancer un peu à droite à gauche. Et après, la zone finale là, qui nous attend et qui va nous tendre les bras, bien sûr. Bref, je vous dis à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien.